Grosse nouveauté cette année, la R200GS, que vous avez déjà vu sur motostation.com en essai simple, mais également en comparatif le mois dernier avec ses principales rivales à cardan. Mais aujourd'hui, on a voulu en voir un petit peu plus et l'opposer au vaisseau amiraux des principales marques européennes, des motos haut de gamme. Christophe, quelles sont-elles ? Alors bien sûr, on a la Ducati Multistrada 1200. On l'appelait au départ la GS de chez Ducati. Bon, bah c'est pas tout à fait vrai, c'est une vraie Ducati, c'est une moto de sport. Mais très équipée pour le voyage, bulle haute, valise de forte contenance, et puis un package électronique très complet, ABS, anti-patinage et compagnie. La KTM Adventure 1190, qui est une moto de compromis, elle va remplacer l'Adventure 990 et la SMT au sein de la gamme KTM, et elle débarque avec tout un lot de nouvelles innovations technologiques pour KTM, notamment de l'électronique au niveau des suspensions. Et puis l'Aprilia Caponor 1200, qui arrive en dernier sur le marché, elle est toute nouvelle. Elle reprend la base de la Dorso Duro 1200, mais elle y ajoute aussi un carénage complet, une bulle réglable, des valises amovibles, elle aussi des suspensions à assistance électronique. Donc on est vraiment sur une moto haut de gamme, vraiment concurrente de la BMW R1200GS et de son fameux ESA. Donc on va faire nos mesures, on va rouler, on va faire différents tests pour mieux évaluer le potentiel de ces motos et on vous en reparle juste après. Voilà, ça y est, on a passé tous nos trials sur le banc de puissance pour vérifier à peu près la légalité de ces motos. Alors, verdict, elles sont toutes à peu près autour de 100 chevaux, 103, 105, 114 quand même pour la BMW qui est au-dessus du lot. Alors, l'Aprilia Caponor en rouge, eh bien, vous voyez ici, il y a un trou important, un creux important au niveau du couple, comme de la puissance. Ça, on va vérifier sur la route si ça pénalise les reprises ou pas. La KTM Adventure en bleu, relativement linéaire, un léger creux au niveau du couple et de la puissance. On va vérifier comment elle se comporte sur la route. Il y a quand même un beau bridage à haut régime hein, sur la KTM Adventure. La Ducati Multistrada 1200 en vert que vous voyez ici est devenue vraiment linéaire depuis cette évolution hein, sur la nouvelle Multistrada 2013. Ducati a beaucoup travaillé pour rendre son moteur plus lisse, même s'il cogne toujours à bas régime et ça se ressent beaucoup en ville. Enfin, la BMW R1200GS liquide qui a vraiment progressé en performance par rapport à l'ancien moteur. Et la courbe est également moins vallonnée qu'auparavant, que vous voyez ici en jaune. Donc elle est moins vallonnée. Voilà, on va aller vérifier sur la route si les caractères moteurs correspondent réellement aux mesures réalisées sur le banc de puissance. Alors on a vu plein de choses hein, sur ce gros roulage où on a essayé d'échapper à l'orage. On a tiré droit vers l'est, direction Reims et la montagne de Reims. Un terrain de jeu vraiment sympa pour ces machines. Bon, Christophe, un mot rapide sur chacune d'entre elles. Alors, très rapidement, la BMW R1200GS, c'était une référence chez les gros trails à cardan. Et bah, comme elle est devenue plus sportive avec cette génération à moteur refroidi par eau, et bien elle est toujours très efficace parmi ces gros trails à chaîne. Mais elle reste encore un peu typée enduro, comme la KTM. Hein. On a encore la philosophie enduro. Avec les suspensions ESA et ce moteur qui domine les autres en reprise, on a vraiment un super package confort, agrément, efficacité. La KTM, c'est une bonne surprise, l'Adventure 1190. Excellente suspension, peut-être le meilleur toucher de route, mais une selle très dure qui pénalise le confort et un moteur vif et vraiment performant malgré son bridage à 100 chevaux. L'Aprilia Caponor, là on change de philosophie comme avec la Ducati, on est plus route, on a moins envie d'aller dans le tout terrain avec. La Caponor est une moto confortable, elle a une super selle, très confortable, des suspensions aussi qui font bien le boulot, en mode tout automatique notamment. Et puis un confort général de haut niveau avec un moteur vivant, qui a pas mal d'agréments, même s'il est perfectible et qu'il marque le pas en reprise face aux autres. Et puis, la Ducati Multistrada 1200. Bon, alors là,
On est sur une philosophie vraiment routière. Le trail roadster sportif ou la sportive déguisée en trail, on ne sait plus trop. C'est vraiment une philosophie à part. Une moto faite pour les bons revêtements, les grandes courbes rapides, très performante, mais peut-être en retrait au niveau du confort par rapport à la nouvelle BMW R1200 GS. Voilà, notre roulage est terminé. Nous allons maintenant nous mettre derrière nos claviers avec l'apparition du soleil, une fois n'est pas coutume. Et on va compiler toutes nos infos et vous pouvez retrouver tout ça en ligne sur motostation.com. A bientôt. Mais sinon, t'as préféré laquelle, toi ? Bah écoute, franchement, entre la Katoche et la BM, je sais pas trop me décider, quoi. C'était super sympa l'une et l'autre, et toi ? Ouais, la BM, c'est pas mal. En fait, moi, le moteur de la Caponeur, il me parle, quoi. Oh ouais. Même s'il est pas parfait, j'adore. Oh, bah, elle est lourde, quand même. Ouais, mais il a du couple, il a un super son. Franchement, j'adore. Et t'as réservé les scouts pour la semaine prochaine ?